Cette journée de randonnée qu'on a dédiée au reboisement. On sait qu'aujourd'hui cet enjeu est un enjeu majeur pour notre pays. Le président Macky Sall a vraiment, en tout cas, donné le tempo à ce niveau-là. Il a demandé à tous les responsables de faire de même dans leurs communes respectives. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui au niveau de la commune de Grand-Yoff. Donc c'est l'occasion pour moi de féliciter toutes les populations, féliciter tous les responsables qui se sont déplacés avec nous dans les rues de la commune de Grand-Yoff et féliciter également les populations en général. C'est une activité citoyenne. Nous l'avons fait principalement avec les ASC, les associations qui aujourd'hui sont extrêmement préoccupées par le cadre de vie. Et on sait qu'aujourd'hui quand même Grand-Yoff est extrêmement dégradé. Notre environnement est agressé tous les jours. Donc on a vu aujourd'hui quand même que Grand-Yoff manque de beaucoup de choses. Et aujourd'hui en tant que responsable, nous allons nous battre aux côtés des populations pour vraiment redorer le blason de Grand-Yoff et redonner un nouveau visage à la commune. Grand-Yoff depuis 1996, c'est une commune. Mais si on regarde, il y a beaucoup de choses qui manquent. Il y a une infrastructure, le sport, la culture. Même au niveau de la santé, au-delà de l'hôpital, on a une maternité. Ce qui est le plus important, c'est que les grands enfants ont été faits un projet ambitieux pour changer définitivement le visage des grands enfants. Nous avons travaillé avec les grands enfants pour que, encore une fois, nous changions radicalement le visage de cette commune. We'll be right back.